Donc on se retrouve là encore une fois sur cette rivière. Donc sur la dernière pêche, j'ai pêché sur le poste un peu plus bas. Donc là j'ai monté légèrement pour voir s'il y avait des différences entre le poste que je pêchais justement avant et maintenant. Parce que j'ai vraiment envie de voir. Je pense que c'est vraiment la seule façon pour sortir de très beaux poissons. Aller dans ces endroits vraiment reculés, peu pêchés. Et puis d'être assez nomade, hein, de bouger beaucoup pour chercher le poisson. Je dis une pêche nomade, mais juste journalière, donc je change de poste tous les jours. Pas toutes les heures ou les 45 minutes à la recherche du poisson. Moi, je préfère faire une journée de pêche à tel endroit, voir comment ce poste se comporte. Et après bouger un peu la journée d'après. Ça m'a amené jusqu'ici. Donc j'espère vraiment refaire un beau poisson aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais rester jusqu'à un petit 16h. Ça sera ma dernière pêche de la semaine. Donc ça sera le dernier volume, c'était pas sûr que je ne pêcherais aujourd'hui. Donc on est jeudi, donc le vendredi et malheureusement le week-end je viendrai pas, j'ai des choses plus importantes à faire. Mais aujourd'hui c'est mon dernier jour et j'espère vraiment finir en beauté parce que j'ai vraiment galéré en début de semaine pour trouver du poisson. Là, j'ai fait capot et il y a certaines personnes qui ont fait, enfin beaucoup de pêcheurs aussi qui pêchaient là-bas où j'étais, ont fait capot. Je me répète, mais la pression de pêche a vachement augmenté depuis ce confinement. Donc ça a forcément joué sur le comportement du poisson. Alors du coup, il faut vraiment aller chercher dans ces endroits, zone de confort un peu, là où le poisson se méfie un peu moins. Donc c'est pour ça que je viens de pêcher ici. C'est vraiment de galère d'accès, hein, vraiment. Même avec le Zodiac, pour le mettre à l'eau là-bas, vraiment plus bas, c'est un peu chiant. Donc je préfère venir à pied, escalader un peu là. Avec une petite corde, ça passe très bien. Donc voilà, donc j'espère vous montrer du poisson. En attendant, je vous offre quelques images de ce magnifique paysage et de cette rivière qui est juste sublime et très sauvage. Ce bois là où je pêche est vraiment très calme, hein, vraiment très calme. Et c'est ça qui me plaît pas mal, vraiment. En plus, ça lui donne un petit charme, vraiment apaisant. Donc voilà, donc c'est parti. Les cannes, ils pêchent depuis maintenant 15 minutes. Il est 8h pile. Et puis bah, il nous reste quelques heures avant de partir et faire un beau poisson. En attendant, je te dis à tout à l'heure et puis bonne vidéo. Bon les amis, 14h30 pile. Enfin, le départ s'est passé il y a 20 minutes. J'étais en pleine sieste, puis un départ de malade, typique de rivière. Réveillé par une magnifique commune encore. Encore en pleine d'énergie. Malgré ce combat calme offert. Voilà, magnifique commune. Bon, pareil, calibré 8-9 kg, hein, pas plus. C'est vraiment une petite commune, mais vraiment pleine d'énergie. Bon, on va faire un beau combat, très très bon combat. Mais bon, voilà,
j'ai réussi à l'amener dans l'épuisette et surtout dans le tapis de réception pour vous la montrer. Belle commune, hein, typique des rivières, de très belles nageoires, de belles couleurs. Et ce petit bidon qu'elle a aussi, hein, mine de rien, elle est vraiment très très belle. Cet écaillage qui est juste parfait. Ah, ça fait vraiment plaisir. Ah, très très beau combat. Ouh. Bon allez, je vous montre de l'autre côté. Comme ça, je vous fais la totale sur la carpe. Ah. Voilà. Petite, mais puissante. De toute façon, la rivière, c'est juste ça. Hein. C'est de la puissance, n'importe quel poids. Qu'elle fasse 9 kg, 17 kg, elle est juste, juste puissante. Regardez ça. Ça, c'est beau, ça. Elle est juste parfaite. Allez, séance photo. C'est encore une commune, vous avez vu, mais... Et c'est dans l'épuisette. Oh non. Oh non non. Et voilà, j'ai crié victoire trop vite. Alors. Les amis, 16h15 et la carpe, elle est dans le tapis, la deuxième carpe. Sans surprise, une commune. Mais encore une fois, elle est sublime, avec de magnifiques couleurs. Elle est légèrement plus grosse que la première. Vraiment légèrement plus grosse. Oh, peut-être un ou deux kilos. Ouais, un petit kilo de plus. Pas plus. Et voilà les amis, cette pêche. Ce deuxième jour sur ce poste. Je termine cette semaine avec deux fiches. Hier j'avais deux fiches sur un poste plus bas. Et aujourd'hui, cette rivière me récompense. Et aujourd'hui, la rivière nous récompense. Voilà pourquoi il faut persévérer, chercher, sonder. C'est vrai que j'ai passé un petit moment, dès que je suis arrivé ici hier, j'ai fait un peu à la vue. Comme souvent, quand on a des obstacles, on aime bien pêcher à ras visuellement. Et là, avec le dipper, c'est vrai que j'ai vite vu, là il fallait pêcher. Et voilà, festival. Voilà, avec de la morse, un noix tigré, des boulettes carnées. Donc la boulette carnée de chez Caperlan et de chez Starbait. Je vous montre de l'autre côté. Oh. Elle est très 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 en forme encore. Hein. Pourtant elle m'a offert un très beau combat, mais ça empêche qu'elle a encore
pleine d'énergie. Cet écaillage encore juste parfait. Oh mais je suis aux anges. Cette journée, ces deux jours ici là, sur ce nouveau poste. Voilà, il n'y a pas de surprise, hein. Poste avec très peu de pression de pêche, beaucoup d'obstacles, hein. Dans l'eau c'est envahi d'obstacles. Je vous ai pas tout détaillé, mais vraiment beaucoup d'obstacles. Et puis voilà, on finit avec 4 poissons sur 2 jours. Et puis quel poisson. Voilà, de magnifiques couleurs. Autant vous dire que je suis un pêcheur comblé aujourd'hui. Et hier aussi d'ailleurs. Cette semaine se termine comme ça. Il me reste encore 1h30 de pêche, 2h. Autant vous dire que je vais essayer de toucher un dernier poisson avant de partir. Je vous montre ce poisson de plus près. Parce que cet écaillage, encore une fois, il est juste parfait, magnifique. Regardez-moi cet écaillage. Franchement, si elles sont pas taillées pour le combat, elle fait son poids. Franchement, elle fait son petit poids. Ah, mes mères. Bon, séance photo. On la relâche. Et puis on attend le troisième. Enfin, je croise les doigts en tout cas. Donc fin de la journée, débriefing de la journée, deux départs, deux poissons. Voilà, c'est une journée parfaite, ça me fait 4 poissons en 2 jours sur 5 départs. Donc je suis assez content, enfin je suis même très content. Comment j'ai procédé, comme d'habitude, amorçage à la graine très large. Et puis après je centralise vraiment les bouillettes là où je pêche. Voilà, donc j'ai passé pas mal de temps à sonder hier. Donc j'ai fait pas mal de répétitions, mais en arrivant, j'ai fait la pêche à la vue. Donc j'ai vu là-bas les rochers, on voyait une cassure d'ici. Donc je me suis dit, j'allais directement là-dessus. Donc pas besoin de sonder, gain de temps. Et arrivé sur les coups de 10h, je me suis dit, toujours pas de touche, ça vaudrait peut-être le coup de sonder. Et effectivement, j'ai bien fait. Et j'ai trouvé la pêche, je me fais deux poissons hier. Mais aujourd'hui, pareil, en arrivant, j'ai passé 30 minutes à bien sonder pour chaque spot, pour chaque canne. Et je m'en tire avec deux poissons, deux magnifiques communes. Donc je suis très satisfait de ma pêche. Il a fallu vraiment que je m'éloigne des spots habituels. Après, c'est la logique hein, de s'éloigner de la pression de pêche pour pouvoir taquiner le poisson dans sa zone de confort. Et encore faut-il avoir les moyens de se déplacer, que ce soit en zodiac ou à pied, et avoir la volonté aussi. Hein. Donc voilà, c'est un spot que j'avais vu sur Google Maps, et je me suis dit, j'essaierai d'y aller pour voir. C'est vrai que c'est vachement casse-gueule, il faut descendre avec une corde que j'ai gréée là-haut, là, pour moi descendre et remonter. Donc c'est un spot très sauvage. Pour l'instant, il n'y a que moi qui l'exploite. Donc je pense au moment où ces vidéos sortiront, il va y avoir quelques curieux de ma région qui vont venir voir, venir pêcher ici. Mais quand cette vidéo sera en ligne, j'aurai déjà fait pas mal de pêche, j'aurai déjà pas mal pratiqué ce poste. Donc j'aurai vraiment exploité le potentiel, pas maximum de ce poste, mais une grosse partie de ce potentiel de poste. Donc voilà, donc il y a toujours un delta entre le moment où je pêche et au moment où je sors la vidéo, hein, c'est normal. Tout est presque rangé là, j'ai juste à tout mettre sur le dos, à ranger l'épuisette encore, je laisse sécher un petit peu. Et c'est parti, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce contenu vous plaît vraiment, que les poissons que j'ai fait vous plaisent aussi, parce que c'est une chose aussi de faire des poissons, mais bon, c'est faire des poissons disons banals. Là c'est des poissons vraiment tout en longueur, tout en puissance, bien musclés, hein, je sentais quand j'ai prené tous ces muscles.
Ah, ça sont vraiment pas là pour rigoler. Donc, de toute façon, dès que tu l'as au bout de la ligne, voilà, ça commence quoi. Le festival, que ce soit au bord, juste à 20 cm de l'épuisette, allez, ça repart. Non, non, c'est vraiment de très beaux combats. La pêche de rivière et de canaux et de fleuves, c'est vraiment des pêches que j'affectionne vraiment beaucoup. Les lacs, tu me diras, ouais, mais les lacs, c'est bien aussi. Je te crois, mais je pratique pas assez les lacs pour faire une comparaison de poissons, de combats, de systèmes de pêche. Donc voilà, donc je te laisse, je te dis à la prochaine, porte-toi bien et surtout garde la pêche.